Wesh, le bruit de ouf. Eh, hey, pourquoi tu m'as envoyé Paul sur ton compte là? Ta Navia elle fait des bruits comme ça. Je vais changer de personnage. Eh hey, Paul, ça fait combien de temps que j'ai aidé ton compte? Que ça me turlupine. Le 16 décembre. Ah, le 16 décembre, encore plus longtemps. 16 décembre, ah là, ça fait combien de jours? Ah, j'ai la flemme de compter. Bref, c'est plus de 150 jours, ça veut dire. 150 jours, wesh, ça date. Et je me souviens, t'étais à R30. R54. Ah, c'est bon, c'est plus que c'était, Paul, il a de l'XP, hein. T'as voyageur sous Favonius, hein. Oh. Ça a charbonné quand même, hein. 25 carrément. Ah oui, il était vraiment. Attendez, petit big up de Ponchi. Ponchi la star. Voilà, petit big up de Ponchi. Elle est à l'aise. Bah, tu connais, toujours avec moi, à l'aise. Bon, par contre, t'as une team un peu méta. Hein. Double Pyro, double Géo, c'est pas mal. Pour Navia, c'est vraiment une bonne team. T'as bossé de fou, c'est très bien. Faut applaudir quand il y a des bonnes choses. Et juste, la musique, elle était pas trop forte avant. Enfin, je sais pas. Paul veut Vogue. Jure, tu veux Vogue? Vas-y, je vais t'en. Navia, oh! Wallo. Ouais, tranquille ou quoi? Ouais, bah ça va nickel, hein. Franchement, regardez un peu ton compte vite fait. Vas-y, Navia, elle casse les couilles, elle fait des bruits de ouf, hein. J'avoue, même moi, des fois, elle me perturbe, hein. Je suis là en mode, mais wesh, qui lui a demandé? Ah ouais, je me demande c'est qui lui a demandé, mais faudrait vraiment qu'elle s'arrête tout de suite, hein. Parce que là, ça commence à être grave. Eh, mais ça, cette arme-là, c'était de l'event, ouais, non? Les artefacts, ah, t'es en full attaque pour cent. Ah, c'est pour ça que t'as autant d'attaques. Ok, du coup c'est... Bon, en soi ça passe en vrai, en cette là je crois qu'il y a des gens... Bah, des gens ils utilisent la compétence à la place de... C'est vrai que la compétence c'est mieux je crois, parce que ça donne un peu plus de boost. Bah, ça donne 2% en plus, bon après compétence aimantaire c'est mieux. Pour l'instant c'est un set qui fait le taf. Mais en soi le troupe doré, celui-là tu peux le mettre dans plein de personnages, je sais pas. Poupi Shinobu elle joue troupe doré ou pas dans le chat? J'ai oublié déjà si c'est elle joue troupe doré ou c'est une autre personne. Non c'est Fischl, ah c'est Fischl, my bad, je me suis trompé de perso. Fischl tu la joues? Ah ouais merde, tu l'as pas aussi. Ah ouais merde. Non, Il y a plein de persos que j'aimerais avoir et que j'ai pas. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah non, mais en fait, moi, j'avoue, j'abuse. Hein. Ouais, my bad, c'était la place. Ah, oh, mais ça va quand même en 5 étoiles. Bon, Deyat, tu l'avais. Ça, je me souviens. Ouais. Navia aussi. Ouais. Ça, c'était après. Et là, Naida, t'as invoqué. Et Raiden. Pourquoi t'as invoqué Raiden? En fait, Raiden, à la base, c'était pas spécialement prévu. Moi, à la base, je voulais juste pull des Bennett. Mais je me suis dit que, quitte à avoir un 5 étoiles, je préfère avoir Raiden que Yoimiya. Mais tu sais que, premier degré, Raiden, c'est devenu le garage. Avant, Raiden, elle était à son prime. Moi, je trouve que maintenant, c'est devenu moins bien, quoi. Après, elle est quand même cool. Ça va. T'as 1000 de défense. Pour l'instant, ça fait son... Ah ouais, allez, ah, les statistiques, c'est ça. C'est les arts de la chienneté. Ah, tu joues en maîtrise élémentaire. Et ça va, c'est bien. Ça fait son taf pour l'instant, mais c'est pas encore le stuff opti pour l'instant. Ah là, c'est un voyageur, c'est juste pour donner. Ça, c'est comme une batterie un peu, non? Ouais, c'est ça, c'est totalement une batterie. Il donne ok. Du TC. Ouais, ça va, il y a une petite team méta et tout. Les statistiques, ça. 191 de maîtrise. Ah ouais, le TC qui se bat contre le dégât critique. ouais, là, il y a un petit duel. Ah ouais, non. Ah, je vois le duel, hein. Bah après, il y a encore de l'amélioration, mais t'as un compte. Déjà, tu peux faire tous les événements. Enfin, après, les événements, c'est pas souvent dur dans Genshin, mais on va dire que tu peux faire tous les trucs. Les abysses. Les abysses, ça se passe comment? Ah, les abysses, tu connais, hein. C'est 36 étoiles, hein. Quoi? Quoi? Attends. Comment ça, 36 étoules? 36 étoiles avec ça, là? Ouais, 36 étoiles avec ça, là? 36 étoiles avec ça? Après, tu connais, j'ai fait appel à quelqu'un qui a fait des choses. Hey! Comment ça, l'appel à quelqu'un? Ah, je donnerai pas de nom, mais... En plus, il t'aide bien, carrément, il a fait même les abysses d'avant. Ouais, non. Ah ouais, 36 étoiles, toi, ton compte, tu fais 36 étoiles. Attends, Sweet, tu parles de qui, Sweet? Il cheat, je m'en rappelle. Aïe. Bennett. Ça va, le Bennett, il est clean, hein, franchement, il a ce qu'il a. La Raiden. Ouais, bah, rêve doré, ça, c'est normal. Pourquoi il y a un trou? Alors, ça demande à Brioche. Hein. C'est lui qui a cook la Naida de A à Z. Il a tout fait. Ah ouais. Sacré cooking, hein. Peut-être il a pas fini, peut-être, je sais pas. Ouais, je pense qu'il a pas fini. Je crois qu'il m'avait dit qu'il galérait un peu sur les artés et qu'il a trouvé des bons trucs. Y a pas de bonne coupe. Bah, après, celle-ci, en vrai, ça va. Attaque, maîtrise élémentaire, non? Peut-être tu chopes beaucoup de maîtrise, peut-être. On sait pas. Après, j'avoue, oh, le TC, il est compliqué, hein. Pas du bon set. Ah ouais, merde, t'es en rêve doré, j'avais pas vu. Ah, d'accord, en fait, toi, tu fais rêve doré d'Endro, ok. Ouais, mais t'as un autre Yao Yao, elle a le set d'Endro, en gros. Ah ouais, parce que normalement, quand tu joues une team d'Endro... Ah si, ah, niveau 40. Ah, ok. Ah, j'ai cap. Du coup, faut juste encore un truc et ça passe. Ah, c'est lourd. Deya, c'est quoi, c'est fini? Non, Deya, non. Deya, pour l'instant, elle est à la bombe. T'as à l'époque, ça disait, ouais, Deya masterclass. En plus, je l'avais up, hein. Et toi, t'as fait quoi, toi? T'as rien foutu. T'as même pas monté un tout petit peu. Et tu l'as laissé comme ce que j'avais fait. Ça fait 150 jours, le personnage, et il est au même niveau. Plus de 150 jours, t'as même pas up Deya. Eh, t'es vraiment un raciste. Oui, espèce de... Boxing Q, tu le joues pas parce qu'il joue pas dans tes teams, c'est ça? Ou...
Si, normalement, Xingqiu, normalement, je le joue avec Naïda et tout. Avec Naïda, Raiden et... Là, c'est plus Xingqiu, là, c'est Kwikwi, hein, carrément, là, c'est quoi ça? Il y a plus d'artefacts, y'a rien, hein. Mais j'ai pas une lame de Favonius dessus, après, Il y a pas de lame, y'a rien, c'est la Hesse, hein. J'ai une épée de Favonius encore. Bah, ah oui, si, elle est niveau 1, elle est même pas montée encore. Non, c'est une flûte, hein. C'est une flûte, y'en a pas d'autres, hein. Ah, faut invoquer sur la bannière d'armes, hein. En primo, t'es à combien? Ah ouais, ça va, tu commences à monter, hein. 11 000. Et c'est quoi ton objectif, là, bientôt, on invoque? Voilà, ça serait Furina, son arme, et si j'ai assez, essayer d'aller viser la C2 de Furina. Pour l'instant, on va se contenter de C0 R1. Comment ça, la C2? T'as 11. Une pote, elle m'a convaincu, elle m'a dit, vas-y, t'inquiète, Furina, c'est la goat, prends la C2. C'est que là, carrément, C0, tu vas pleurer carrément sur le poulet, mais t'es un malade, tu vas jamais avoir ça. Hein. Déjà, juste la C0 plus l'arme, sois heureux. Hein. Remercie carrément Miyoyo. Ah ouais, hein. C'est pas fou. Il est en 100%. Ah, mais l'arme, on sait très bien l'arme, c'est comment les armes. Les armes, c'est pas facile, hein. J'avoue que l'arme, en plus, pour l'instant, j'ai jamais drop et je suis bien avancé dans la pitié en plus. Ça, tu les gardes, ceux-là? Non, faut prendre, hein. Bon, ça, j'utilise tout, hein. Non, ok. C'est-à-dire, toi, tu t'en fous, tu mets les vœux. Ouais. L'arme, ça va être dur en tout cas, hein, franchement. Pourquoi t'as mis un code source là, en haut à gauche? Un code source? Pourquoi il y a un code? Bonne question, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est bizarre, hein. C'est le code pour son cheat. En vrai, t'aurais pu mieux faire. Bah, t'as joué combien de temps en vrai? Genre, il y a des moments, t'as pas trop joué, non? Ouais, oui, bah, en ce moment-là, tu vois, dernièrement, comme j'avais dit, j'avais perdu mon téléphone. Du coup, mon PC était tellement gay, je pouvais pas jouer. Du coup, genre, je comptais un peu sur les gens pour faire un peu 2-3 trucs pour moi. Ah ouais, t'as gratté les gens. Ouais, là, j'ai joué pendant 3 semaines. Trouver des CS slave, quoi. Non, j'ai trouvé des personnes généreuses, c'est pas pareil. Ouais, la CS coupe, quoi. Oui, t'as trouvé des gens qui font cascade, coupe, on sait. Je rigole parce que t'es bien renseigné, t'es très très bien renseigné. Mais non, 100% Monstat. Mais non, incroyable. Et il y a des gens, ils ont jamais 100% Monstat, hein. Et peut-être ça fait depuis 2 ans qu'ils jouent, je sais même pas combien. Mon Dragon 87 ou Liyue, eh ça va. Eh tu vis, hein. Ça, ouais, c'est pas mauvais, hein. Bon, après, il y a certaines îles d'Inazuma, c'est compliqué, mais il y a pire. Inazuma, c'est en cours. Et par contre, Sumeru, je le dis, j'ai même pas du tout commencé encore, j'ai même pas fait la course. Ah ouais, 8, 8, 13, 15, 0, 7, 1, 3, ah ouais. Waouh, je suis mort. C'est pour le racisme de fou malade. Je suis choqué, t'es parti à Fontaine, t'as plus exploré que Sumeru. En même temps, Fontaine, j'ai été obligé, parce que je vois l'épée, elle est reliée à la quête, aux Mélusines, là, dans Fontaine, donc du coup, j'ai trouvé de faire un peu d'explo, t'as vu, je vois des coffres, je les ramasse, puis après tu tombes sur des quêtes, t'aimes bien les quêtes. Ouais. Je suis fait avoir, hein. Fontaine, ça m'a eu, hein. Ouais, après, bizarrement, en tout cas, comme d'hab, hein, de toute façon, on connaît toujours la région, du Oasis. Sumeru, j'ai une excuse, je n'ai pas fait la quête Archon. Quand j'aurais fait la quête Archon, tu verras, ce sera pas la même, l'exploration, elle sera bien plus avancée que ça. T'as pas fait la quête Archon? Et j'ai même pas commencé, la quête Archon, elle est même pas commencée. Là, dis-toi que tout ce qui est exploré à Sumeru, c'est juste pour le... Et moi, je souhaite même pas à mon pire ennemi de faire la quête d'Archon en d'affilée. Vraiment, une soirée, tu dis, vas-y, tu fais toutes les quêtes d'Archon de Sumeru, même à mon plus grand rivaux, je ne lui souhaite pas ça. Vraiment, c'est trop dur. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, apparemment, c'est super long. Non, mentalement, c'est pas facile. Hein. Franchement, il faut vraiment être très fort, mentalement. Ça va, le nombre de quêtes, t'en as pas trop abusé. Hein. Ça va, hein. Et je crois que moi, j'en ai plus que toi, peut-être. Il y a moyen. Comme t'as vu, j'ai pas tout à Sumeru, j'ai pas encore tout à Fontaine. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas trouvé. Hein. Mais j'essaye de faire les quêtes qui me rapportent des primos, des trucs comme ça, tu vois. T'as pas payé, t'es resté humble. En fait, je paye juste la faveur, mais j'ai pas remis. J'ai pas repayé là ce mois-ci. C'est quoi, y a une réflexion avant la faveur là? Même pas, c'est juste pour l'instant, j'ai pas envie de payer une faveur. Non, genre en mode là, c'est une punition là. Vas-y, on va voir tes dégâts de Neuil sur les abysses. Voilà, t'as montré, etc. On a vu, y a des petits trucs sympas, mais est-ce que c'est la même chose? Y a Shailene qui me demande si elle m'offre la faveur. Bah écoute, tu veux. Moi, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, parce que voilà. Si tu veux, si t'as envie, tu la payes, si t'as pas envie. Faut qu'elle se connecte sur ton compte. Et là, pour la seconde team, on fait comment là? La seconde team, je sais pas. La seconde team, elle est pas prête, hein, en vrai. Par contre, voilà, je pense que si tu sors la team comme ça, à la limite, peut-être la team Navia va s'en sortir, mais je pense que la team Hyperboom avec Naïda et tout, c'est... Oui, voilà, c'est hyper... c'est hyper rien, là, il n'y a rien. Hyper nul. C'est hyper nul, ouais. Tu peux le dire, c'est hyper nul. Non, j'ai fait... Ha 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 ha!
Ah, c'est... non, c'est un bug, c'est un bug. En cas, on recommence. J'avais mal compris. T'as 150 000, hein. c'est difficile quand même. Pourquoi ça... Bam, c'est rapide. Ça marche pas pareil, hein. Comment t'as 36 étoiles, là? Je comprends pas. Je pense que Genshin, ça bug. Hein. Je pense que j'ai un bug sur Genshin. Ah, on m'a dit que je faisais mal les rotations. C'est pour ça, je crois. Ouais, je vois ça. Et quand même, c'est sacrément dur pour quelqu'un qui fait les 36 étoiles, hein, la première partie. Hein. Après, ça va, hein, tu peux le faire quand même, les abysses. Hein. Franchement, c'est faisable. Hein. Faut juste un peu pas trop déconner sur les rotas, tout ça, etc. Mais si tu déconnes pas trop, ça va. Hein. Genre là, j'ai mal joué parce que bah, je joue pas Navia. Genre, je joue pas Navia, moi, mais franchement, ça va, elle est lourde, la team. Hein. Après, bon, cette team-là... Oui, bon. Je donne pas cher de sa peau. Hein. Ah, j'ai pris les personnages les plus haut level de sa deuxième team là. Là, c'est bizarre quand même. Ça bug, hein. Ouais, là, ça charge un peu. Non, mais je retravaillerai tout ça. La deuxième team, elle est encore en grand cooking, là, elle est encore dans le four. Hein. Et du coup, l'explication des 36 étoiles, c'est qui la personne qui t'a aidé, là, comme ça, là, parce que bon... En vrai, la première team, ça va encore, mais la deuxième... Non, mais t'as vu, je vais pas donner son nom, tu vois, s'il veut se révéler, il se révélera, mais je donnerai pas de nom. Ah, ok, genre en mode, c'est un pote secret, mais t'as pas peur? T'as pas peur des sanctions? C'est pas mon compte Onkai, tu vois, ça serait sur Onkai, il y aurait eu zéro cheat, et j'en ai rien à foutre, Onkai, y a pas de cheat. Peut-être qu'ils vont t'exclure de Teyvat. C'est ça les joueurs Honkai Impact. Enfin Honkai Star Rail, je veux dire. Non, en vrai, est-ce que t'as bien aimé jouer à Genshin en vrai? T'as joué et tout, t'as bien kiffé ou pas? Non, Genshin c'est cool. Enfin, après moi tu vois, je rejoins pas tellement toutes les plaintes qu'il y a autour de Genshin. Je comprends, mais moi tu vois, je suis pas tellement impacté par tout ça. J'ai encore tellement de choses à faire. Mais en vrai je m'amuse bien, moi j'avais pris. Je kiffe l'explo sur Genshin, y a vraiment... Ouais bah, et pourquoi il y a écrit 1% du coup? Parce que comme je t'ai dit, j'ai pas encore commencé l'explo de Sumeru. Mais tu regardes Bluey, tu regardes certaines parties d'Inazuma... 0%. Comment tu peux vivre l'explo d'un endroit? Ouais, c'est sûrement le hasard, c'est le hasard, oui. Non, ok. Et est-ce qu'il y a des pulsions que t'as sur Genshin après tout ça? Genre t'as eu une pulsion dernièrement ou pas à cause de... Ma dernière pulsion techniquement, bah, c'était quand il y avait Kazuha, j'étais proche de la pitié, je me suis dit bon vas-y let's go, je le tente, au pire je perds le 50-50, au pire je le gagne. T'as perdu Kazuha. Ouais, perdu, hein, Chichi-C1, je jure, Chichi-C1. Mais non. Moi je suis content, je sais que j'ai ma garantie pour Furina. Ah ouais... Aïe. C'est pas facile. Après peut-être c'était le destin. Ah oui, c'était le destin. De toute façon, en vrai, j'ai pas te mentir, quand j'ai pull Kazuha, je savais que je jouerais pas dessus. Je me suis dit, honnêtement, je préférais perdre le 50-50. Juste dégoûté que ce soit Chichi, quoi. Ah, t'es riche, t'as 9 millions de Mora par contre. Ouais, c'est vrai que genre j'ai bien stack ça les Mora. Franchement, t'as là les Mora, c'est une folie. Après, j'ai pas essayé de, non plus de up tout et n'importe quoi en perso. J'ai juste essayé de monter, faire quelques élévations, t'as vu, pour gratter quelques singles sur la perma, mais... Non, rien de fou. Non, mais ça va, c'est pas mal, franchement. En vrai, GG. Bon, à part... voilà. Bah, je te souhaite bonne chance, Paul, pour ton farm. Tu vas passer pour les invocations de Furina ou tu vas les faire dans ton coin? Non, si je passe, moi, y'a pas de soucis. Hein. Bah, on va espérer... ouais, une early. Bah, on va faire ça. Franchement, on va faire une grande early. Normalement, là, y'a moyen, on va faire des grandes choses. T'inquiète. Le live où il y aura Furina, on va se souvenir de ce live-là, je pense. Ça va être quelque chose d'exceptionnel. Ah, je vais repartir de là, je vais avoir Chichi C4. Mais non. De toute façon, on va invoquer principalement sur la bannière d'armes, c'était en garantie. Bah vas-y, attends. Je vais me déco. Elle supprime. Voilà le message, on sait jamais. Vas-y, chef. Et t'as pas un petit message à dire pour... Bah déjà, moi, je voulais remercier Brioche, déjà. GG à lui, gros big up à lui. Il y a Shailin aussi qui est passé un petit peu sur le compte, faire mes cotis, etc. pendant quelques jours. Gros big up à elle aussi. Scoop non, et CS Force. Et l'ami secret aussi, parce que... Oui, l'ami secret. Mais vas-y, en tout cas, bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Vas-y, merci, chef. Ciao. Eh, vas-y, toi. Eh, pourquoi il y a que des censures, là? Pourquoi je vois il y a des messages supprimés?